La première d'un biographie de quelqu'un qui n'existait pas, alors que, qui n'est pas très connu, mais qui a quand même sauvé un peu le monde, hein, c'est Joukov. Joukov, c'était le maréchal soviétique, qui a, bah, le vrai, qui a battu Hitler. Hein, et qui, alors là, c'est toute sa biographie, toute sa vie. Donc c'est un gars qui a quand même réussi à passer les purges de 36, à passer la folie paranoïa de Staline, à passer la guerre et à battre Hitler, et à, en plus, il a réussi à survivre après à la, aux purges et à la, comment dire, quand Staline est mort, tous ceux qui avaient survécu, généralement, ils étaient un petit peu suspects, donc il a même réussi à survivre à Khrouchtchev, et c'est un des seuls personnages soviétiques qui a encore sa statue sur le, la place rouge à Moscou. Et en fait, c'est toute l'histoire de ce gars qui était... Enfin, je veux dire, il y a eu deux grands maréchaux pendant la guerre. D'un côté allemand, c'était Rommel, et de l'autre côté, c'était Joukov. C'est celui qui a amené, après le désastre de 40... De 41, quand l'armée allemande a envahi la... la Russie, ils ont d'abord été complètement laminés par les troupes allemandes, et c'est lui qui a réussi à sauver complètement et à recréer une armée, et à de repartir à zéro, et qui a réussi donc à atteindre le premier Berlin. Donc c'est vraiment une biographie passionnante, ça se lit comme un, roman d'aventure. C'est vraiment, c'est un genre d'homme de la trempe, de, justement je parlais avant de Churchill ou de gens comme ça, quoi. Et qui en plus était un des grands stratèges militaires, et qui est très très méconnu. On parle toujours de Rommel, qui était un des plus grands stratèges militaires, hein, sans parler de, guerre ou tout ça, ou de, dans quel bord il était, de quel sens il était. On parle de MacArthur, on parle de Rommel, on parle jamais de Joukov. Et c'est, les éditions Perrin ont levé cette lacune, parce que c'est vraiment un bouquin pour ceux qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale, qui est absolument remarquable et qui raconte vraiment toute l'Union soviétique d'avant la guerre, de pendant du début de la guerre, quand ils se sont complètement fait laminer, et puis jusqu'à la victoire de 1945.